Bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec Clément. Alors Clément, comment ça va? Oh bah écoute, ça va super bien, surtout qu'on a la chance de pouvoir profiter d'un super temps et c'était une belle petite sortie vélo aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Bah moi ça va nickel. Ouais, j'imagine que t'as dû bien te faire plaisir. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs plus d'informations sur l'invité qu'on a l'honneur d'avoir aujourd'hui? Alors notre invité est spécialiste de la piste et du cross, notamment sur piste 3000 mètres, 5000 mètres. Sur cross, il a été plusieurs fois champion d'Europe par équipe, vice-champion d'Europe en individuel. Donc c'est Hugo Hay. Salut Hugo, comment ça va? Ouais, ça va. L'entraînement a bien repris là après une petite coupure après les Europes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à vraiment travailler. D'accord. Bon, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et dire comment t'en es venu à l'athlétisme ? Je m'appelle Hugo Hay, j'ai 24 ans depuis pas longtemps. Je fais du 5000, surtout sur la piste et les cross forcément l'hiver quand on peut en faire. Moi, je suis venu à l'athlé après avoir fait pas mal de sport quand j'étais jeune. J'ai beaucoup de gens de ma famille qui font de la course, donc c'est venu assez naturellement et c'est un sport que j'aimais beaucoup. Après, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement et petit à petit, j'ai passé les paliers, on va dire, au début plutôt un niveau national en cadet, un niveau un peu plus que ça en junior, puis après en espoir, j'ai fait mes premières médailles internationales et maintenant je me suis professionnalisé, donc je suis à fond dans l'athlé. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour participer aux Jeux dès cette année, mais surtout l'objectif global à long terme, c'est Paris 2024, donc tout faire pour être le mieux possible dans 3 ans. Ouais, d'accord, et du coup, tu es dans le haut niveau depuis cadet? Ouais, depuis cadet, on va dire, je suis officiellement sur les listes de haut niveau à partir de cadet 1. Après, on va dire que je me considère à haut niveau depuis espoir 1, on va dire, où j'ai fait 5e aux Europes sur piste en étant espoir 1. Là, ça commence à être un niveau qui ressemble à quelque chose. Après, haut niveau, enfin, chacun a sa définition du haut niveau, mais à partir de là, ça commence à être vraiment un niveau, on va dire, qui permettait d'avoir des espoirs pour passer, pour être vraiment haut niveau en senior. Et est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs sur quelle distance tu performes? Ouais, bah moi je fais surtout du 5000. Après forcément un peu toutes les disciplines qui sont autour, mais surtout ce qui va du 15 au 5000 en passant par le 3000 et là en salle un peu de 3000 indoor et sinon ouais, les cross. Et en parallèle, tu as continué tes études? Ouais, moi j'ai fait donc après mon bac, je suis parti en double parcours avec une licence d'économie et à côté une sorte de prépa pour les écoles de journalisme pour préparer les concours. À la base, c'était des études longues qui partaient sur 5 ans pour faire un master de journalisme, mais moi j'ai voulu me professionnaliser plus tôt, donc j'ai décidé de faire une licence pro, donc passer le concours de la licence pro en journaliste de sport. Et donc du coup, je l'ai eu, donc du coup, ça m'a fait une étude à fond, enfin un an d'études à fond en licence pro de sport à l'ESJ à Lille et comme ça m'a permis de gagner du temps sur mes études, donc depuis 2 ans et demi maintenant je suis 100% concentré sur l'athlé. Et donc là actuellement tu as quitté la France pour aller t'entraîner en Belgique? Ouais, j'ai fait un an, on va dire, professionnel en France, dans ma ville à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. C'est une petite ville et j'ai vu que là, c'était pas optimal pour m'entraîner. Je pouvais pas être pro à 110%. Et moi, si je m'étais lancé là-dedans, c'était pour être vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc l'année d'après, je suis parti en Belgique. Donc là, ça fait un an et demi que je suis ici dans un groupe d'entraînement avec une, bon, allez, on va dire, une dizaine d'athlètes qui sont à un niveau international. Donc ça permet l'émulation et je suis vraiment content de mon choix d'être parti, mais c'était un choix qui était mûrement réfléchi. J'avais des atomes crochus avec le coach, avec son approche, qu'elle soit sur l'entraînement ou son approche au niveau humain. Donc c'était vraiment réfléchi et je suis vraiment content. Ouais, c'est super comme projet et tout. J'imagine que tu dois plus t'épanouir là où t'es maintenant que peut-être en France où t'avais moins de moyens et tout comme tu le dis. Ouais, non, bah ouais, c'est vraiment épanouissant parce que on sent, nous, on a un projet qui est mis en place sur plusieurs années et là voir que les progrès sont là, ça fait du bien. Et puis en plus c'est vraiment une émulation qui est saine au sein du groupe. Il y a pas un mec qui est un peu branleur ou qui manque d'humilité, donc ça c'est parfait pour se tirer vers le haut et là on voit que tous on progresse et ça se passe vraiment dans
dans une ambiance saine. Donc ça, c'est ce que je voulais. Donc ouais, non, c'est top. Et de voir que les choix, bah, c'est quand même un choix fort de partir à l'étranger, de voir que ce choix-là, il paye, c'est sûr que ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr que ça doit pas être un choix forcément facile. Et du coup, maintenant, on aimerait parler un peu d'optimisation de la perf. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'est un entraînement pour toi, une semaine type, SP 3000, 5000 sur piste? Ouais, bah nous, on va dire qu'il y a plusieurs bah forcément phases dans l'année. Mais la phase qu'on a le plus souvent, c'est la phase où on est dans un entraînement de base pour construire vraiment des fondations solides. Et ça, c'est nous, notre entraînement, il est basé sur ça. Donc sur l'aérobie, essayer vraiment de faire en fait une base de pyramide qui est très très solide pour ensuite pouvoir aller déposer un peu d'anaérobie par la suite pour faire le fine-tuning, on va dire. Mais voilà, donc une semaine type, c'est pour moi entre allez, 105 et 125 km d'entraînement. Ça peut aller un peu au-dessus en stage, mais pas beaucoup plus. J'ai dû faire une ou deux semaines à 140, avec en gros 9 sorties course à pied, entre ouais, 8-9 sorties course à pied, deux séances de muscu, deux séances de renfo ou trois, souvent un jour de repos, ou alors un jour où, enfin sur le jour de repos, on fait seulement muscu, où on court pas. Et dedans, en gros, c'est quasiment que des footings, donc soit allure récupération, soit allure endurance, souvent deux séances dans la semaine, donc mercredi, dimanche, où là c'est plutôt des tempos, donc du tempo un peu en dessous de millimol, et après, bah, après forcément quelques séances de temps en temps, un peu type VMA avec des 400, et quand on des 400, des 600, et puis quand on se rapproche des compètes, des vrais SP avec un peu de volume, des changements d'allure, et voilà quoi. Ouais, un entraînement qui est relativement quand même polarisé, comme on dit. Donc, un gros volume basé sur l'aérobie, comme tu le dis, à basse intensité, et en même temps pour pouvoir faire à côté des entraînements très durs, type VMA, etc. Non? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment polarisé. C'est-à-dire qu'on travaille pas dans la zone grise intermédiaire entre 2 et 4 millimoles, on va dire. Donc voilà, après, c'est vraiment très polarisé dans le sens où on fait quand même beaucoup, beaucoup d'aérobie et beaucoup à basse intensité par rapport à ce qui se fait autre part. Et ça pourrait paraître être un entraînement un peu assez facile. C'est vrai que c'est pas la méthode d'entraînement la plus difficile. Mais voilà, après, ça permet vraiment d'avoir des fondations solides. Et même en anaérobie, quand on fait des séances, vraiment, souvent, c'est vraiment pas monstrueux par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, mais voilà, toujours un peu dans du contrôle. On n'est jamais vraiment à 110%, et on est quand même assez souvent plus ou moins frais, donc ça change quand même par rapport à l'entraînement que j'ai pu connaître avant. C'est vraiment une méthode qui est différente. Ouais, et du coup, pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, 2 millimoles de lactate, c'est le seuil aérobie, et 4 millimoles, c'est le seuil anaérobie. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et tu pourrais nous préciser un peu tes allures, du coup, pour se faire une idée? Ouais, pas de souci. Bah du coup, nous, donc moi en tempo, donc c'est plutôt du tempo 1,5 millimol, parce que bon, après il y a des trucs un peu difficiles que moi je comprends pas, enfin je maîtrise pas avec les termes, mais pour pas qu'on rentre dans de l'anaérobie, de l'aérobie en gros. Bon, vous allez sûrement comprendre ce que veut dire mon coach. Mais du coup, nous, on est plutôt à 1,5 millimol, et du coup, moi, à cette allure-là, je suis plus ou moins à 3,20. Il y a des moments dans l'année comme en ce moment où je suis plutôt à 3,25, et d'autres moments où je vais descendre jusqu'à 3,15 quoi, mais c'est plus ou moins ça sur un volume global sur la séance entre 9 et 12 km la plupart du temps, avec très peu de récupération, mais c'est quand même saucissonné. On fait pas tout d'un coup, et puis voilà, après ça dépend vraiment des athlètes du groupe et en fonction de leur force et faiblesse. Donc il y en a qui vont faire les tempos à la même allure que moi, mais qui sont quand même largement moins forts que moi sur 5000 par exemple, mais par contre sur par exemple leur capacité anaérobie qui sont beaucoup moins bonnes. Donc ouais, ça c'est assez marrant de voir, enfin c'est bien d'avoir des profils différents dans le groupe, et certains sont plus forts sur d'autres séances que d'autres, donc c'est assez drôle à voir. Ouais, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment t'analyses ou tu calcules ta charge d'entraînement? Après, j'imagine que c'est pas forcément toi qui le fais, ça doit être tes entraîneurs, mais est-ce qu'ils utilisent juste le nombre de kilomètres que tu fais? Ou par exemple, il y a un RPE, donc on le rappelle, RPE, c'est la difficulté de l'effort ressenti par rapport au temps de l'entraînement. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier que tu utilises?
Nous, on est sur Training Peaks. Donc du coup, on note avec le ressenti. Après, eux, ils calculent. Je sais que mon entraîneur regarde un peu au niveau des charges sur Training Peaks. Ça permet d'avoir des beaux graphiques et tout, donc de quand même assez bien visualiser. Mais il le prend pas non plus comme argent comptant. Il connaît sa méthode d'entraînement, où il veut aller. Donc voilà, c'est surtout un moyen d'avoir une petite visualisation et que ce soit vraiment facile. Mais voilà, c'est pas. Et je pense qu'il y a un moment donné, on avait hésité à partir sur une autre plateforme parce qu'on voulait essayer d'avoir un peu plus de la main sur ce qui était calculé pour essayer d'avoir un indice un peu plus précis par rapport à ce que lui voulait. Mais finalement, ça s'est pas fait. Donc ouais, il a le, il suit les graphiques, mais voilà. C'est surtout par rapport à ce que lui veut faire, et nous, par rapport à la charge de notre entraînement et aux allures, on fait surtout des tests lactates avec Yann Olbrecht, qui est un physiologue belge, et là ça permet un peu plus de calibrer notre entraînement. D'accord. Et du coup, dans la charge, vu qu'on sait que la récupération, c'est ce qui joue le plus aussi, en vue notamment des JO et d'une qualif, c'est quoi les techniques de récupération que tu utilises pour optimiser au maximum? Bah nous, pour optimiser, déjà, au niveau des boissons de récup post-séance, on a essayé de vraiment sélectionner des marques qui sont vraiment qualitatives, pas des trucs brandés ou quoi, avec beaucoup de communication, mais finalement un produit qui est pas si terrible. Donc vraiment, là, on est avec des marques qui sont vraiment efficaces. Donc ça, c'est important quand même de boire sa vie, de manger ce qu'il faut juste après la séance. C'est déjà une bonne partie du travail de récupération qui est fait à ce moment-là. Après, moi, je suis suivi par un nutritionniste aussi pour la nutrition, donc pour essayer vraiment d'avoir les apports nécessaires, parce que c'est très important. On pense beaucoup au poids, mais il faut surtout avoir les apports nécessaires pour pouvoir récupérer et enchaîner, et que sur le long terme, on puisse continuer à faire des grosses charges d'entraînement. Après, en termes de récup, sinon, on voit le kiné environ une fois par semaine. Donc ici, ils sont pas trop trop kinés, pas trop trop manipulation, donc j'ai dû les forcer un peu. Donc ouais, plus ou moins une fois par semaine. Après, dans les grosses semaines d'entraînement, on fait aussi des massages avec des masseurs ici, des masseuses. Donc voilà. Et après, sinon, moi, j'ai acheté un Normatec. Donc après les grosses journées, ou après les journées où on a fait du tempo, un peu de kilométrage, je les mets le soir avant de dormir. Et de temps en temps, je fais des bains froids chez moi quand on a fait une bonne semaine de travail, à la fin de la semaine de travail, pour terminer, quoi. T'as parlé de Normatec, ça me dit rien, mais j'imagine que c'est de l'électrostimulation. Ah ouais, Normatec, c'est des bottes de pressothérapie. Ouais, parce que du coup, c'est sûr que ce soit l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, c'est 95%. Après, c'est les petits détails qui... Ah ouais, non, clairement, c'est vraiment la base. Sommeil, alimentation, hydratation, c'est la base de la base. Donc déjà, en optimisant sur ça, on fait une grande partie du boulot. Donc c'est sûr que c'est vraiment important d'avoir des bonnes stratégies et de pas faire n'importe quoi dans ces domaines-là. Et après, le reste, tout ce qui est massage, kiné, bottes de pressothérapie, bain, etc., c'est vraiment le petit plus qui peut faire la différence. Et après, ouais, si, moi aussi, je fais pas mal d'étirements le soir pour faire un petit retour au calme et essayer d'être assez frais le lendemain au niveau musculaire. Mais ça, c'est un truc qui est personnel. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien me prendre ce petit temps-là le soir. Sinon, je me sens un peu raide le lendemain matin pour repartir. Ouais, on a tous nos petits trucs. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, il faut juste savoir s'adapter et puis trouver les choses qui fonctionnent avec nous, quoi. Exactement. Tout à l'heure, tu as parlé de ton volume en course à pied, de la musculation. Mais donc, je te suis sur Twitter et je vois que tu parles pas mal de vélo, mais c'est pas quelque chose que tu pratiques en plus de la course à pied? Non, on fait très peu d'entraînement croisé. Ça m'arrive d'avoir dans mon entraînement 45 minutes de vélo ou quoi, soit après la muscu, soit là, par exemple, en ce moment, j'en ai une fois par semaine parce qu'on est dans une phase où on est en train de reprendre, donc de monter le kilométrage petit à petit. Donc comme ça permet de faire un peu plus de volume sans avoir de choc. À partir du moment où on est dans la fin de la première phase de reprise, on n'en met plus du tout parce que on essaye d'optimiser au maximum ce qu'on fait. Donc, du coup, l'optimisation, ça passe par la course à pied. Donc c'est pour ça qu'on passe pas par de l'entraînement croisé. D'accord. Et donc dans ta jeune carrière jusqu'à maintenant, t'as déjà eu des blessures plus ou moins graves? Ouais, moi j'ai eu, on va dire, deux petites blessures, donc des petites tendinites ou des trucs que tu sais pas trop d'où ça vient.
qui m'avait, on va dire, mis en retard un peu dans la prépa. C'était dans les années cadet junior. Pas des gros trucs. Bon, il y a quand même une fois où j'ai loupé les mondes juniors à cause de ça, parce que je revenais un peu trop tard. Ma première compète, c'était la compète de qualification. Donc là, j'étais pas encore du tout prêt. Et j'avais fait les minima, mais en fait, bien trop tard. On avait rattrapé la saison. Bah, on était en décalé, quoi. Mais voilà, c'était pas une blessure trop grave. La seule blessure grave que j'ai eue, c'est il y a 2 ans maintenant, mais l'année où j'étais professionnel à Bressuire, et c'est ça aussi qui m'a fait partir, parce qu'en fait j'ai eu une blessure et j'ai été très mal entouré au niveau médical, mais forcément parce qu'il n'y avait pas de très bon kiné du sport, il n'y avait pas de très bon docteur du sport autour de moi, donc ça a été compliqué de faire le diagnostic et d'avoir ce qu'il fallait pour récupérer derrière. Et donc là, ouais, il y a 2 ans, je me suis blessé, on va dire fin janvier, mi-janvier, ouais, à peu près, et j'ai recommencé à vraiment faire des vraies semaines d'entraînement à partir de fin mars, mi-mars, fin mars. Donc ça fait déjà deux mois et demi de perdu, quoi. Et sachant qu'au début c'était vraiment vraiment tranquille parce que j'avais pas pu courir avant, donc c'était compliqué. Mais puis là il y avait une course contre la montre qui s'est enclenchée, parce qu'il y avait les Europes à Gueveleu, les Europes Espoir sur piste, et ça c'était mon gros objectif, parce que j'avais fait deuxième et troisième en cross, mais pas encore de médaille sur piste. Donc ça a été vraiment la course, et on a essayé de vraiment prendre notre temps pour pas faire n'importe quoi et pas rechuter ou pas avoir une montée de forme trop rapide. Donc voilà, je fais ma première compète au moment de la sélection, je me suis qualifié, et après 3 semaines après j'étais très bien aux Europes. Donc on a plutôt bien géré l'après au niveau de l'entraînement, mais par contre, ouais, la période où je me suis blessé, là c'était un peu difficile à gérer, parce que ouais, comme j'ai dit, j'étais mal encadré, et en plus on n'avait pas le recul nécessaire et pas le bon diagnostic. Donc voilà, heureusement j'ai repris l'entraînement plusieurs fois, j'ai repris à courir une fois, deux fois, trois fois, puis après la douleur est revenue. Donc voilà, à ce moment-là, par contre, ouais, là j'ai fait beaucoup d'entraînements croisés, beaucoup de vélo, beaucoup d'aqua-jogging, et surtout beaucoup beaucoup de renfo. Donc ça m'a permis de pas repartir à zéro, quoi. D'accord. Bon, du coup, on va passer au sujet un peu d'actualité avec les nouvelles générations de chaussures. Donc toi, tu es quand même un athlète qui t'exprime beaucoup sur le sujet, que ce soit, il y a eu pas mal d'interviews sur les réseaux sociaux, et on peut voir que tu as l'air d'être plutôt quelqu'un d'honnête au niveau de l'impact que ça a sur la performance par rapport à certains athlètes qui minimisent un peu en disant que c'est uniquement de l'entraînement. Donc au final, enfin, tu peux nous préciser c'est quoi ton avis sur ces technologies? Ouais, bah ouais, moi de toute façon, moi je comprends pas les athlètes qui disent que les chaussures elles apportent rien. Là, on va partir déjà, enfin, surtout sur les chaussures route, parce que c'est là où on a un peu plus de recul, et c'est là où c'est le plus abusé, on va dire. Tout le monde qui, bon, moi forcément, c'est la Vaporfly parce que je suis chez Nike, mais il suffit juste de la mettre une fois et pour se rendre compte que tu cours pas du tout pareil que sans, et que ça a tout révolutionné. Et c'est pour ça que je comprends pas comment les gens peuvent se voiler autant la face et dire que bon, allez, ça rapporte rien, ou peut-être aller une seconde par-ci par-là, parce que c'est vraiment révolutionnaire. Et déjà sur la 4%, donc le modèle précédent, c'était déjà bien bien abusé, mais la Vaporfly, Nike a sorti vraiment un produit incroyable, hein. Vraiment, ça a révolutionné, c'est vraiment la chaussure la meilleure chaussure, et c'est vraiment incroyable de courir avec. Mais ouais, par contre, ouais, moi c'est tout ce qu'il y a autour qui m'énerve un peu, parce que World Athletics n'a pas mis le haut là, alors que ça a clairement été une rupture dans les performances, et je trouve ça dommage. Les courses de route perdent de leur saveur, et ça achète vraiment du pied à des personnes qui en ont pas. Donc ça, c'est dommage. Et puis après, ouais, moi, ce que je trouve dommage, c'est la mentalité de pas mal de demi-fondeurs et de fondeurs qui ont été là, qui ont dépensé de l'argent dans la chaussure, et qui derrière ont dit que c'était tout le travail qu'ils avaient fait depuis des années qui payait enfin, alors que en fait c'est juste parce qu'ils avaient acheté la chaussure, quoi. Et le fait que beaucoup se voilent la face, ça m'énerve, ça m'agace, parce que ouais, l'athlète, normalement, tu t'entraînes plus ou moins bien, tu t'entraînes plus ou moins dur. Mais à la fin, bah, c'est vraiment les jambes qui payent. Et là, bah, en fait, on a des gens qui ont gagné beaucoup, et alors que ce n'était pas du tout leur travail qui a payé, et c'est assez agaçant. Ouais, et est-ce que tu pourrais nous dire quand tu les as utilisées pour la première fois ces chaussures en question? Bah, moi, déjà, les 4%, je les ai utilisés pour la première fois à l'entraînement. C'était en 2017. Non, en 2018, je pense.
Et déjà, en fait, sur des séries de 3 minutes, et là, je me suis étonné, je me suis dit, putain, je suis quand même pas mal alors qu'on était en reprise. Et ensuite, j'ai fait un 10 km avec tempo sur une compète officielle. Là, je me suis dit, ah oui, quand même, elles sont bien. Et là, par contre, j'ai fait une vraie compète à l'Equidène de Paris, dernier relayeur. Et là vraiment, donc en appuyant bien et tout, en étant vraiment à fond sur un peu plus de 7 km, là, j'ai dit, ah oui, là c'est vraiment, les chaussures ont passé un cap parce que j'étais vraiment à l'aise. Et voilà, quand je poussais, ça rend voyais vraiment, et quand j'ai commencé à fatiguer, j'étais quand même un peu plus haut sur l'appui, mais les 4%, voilà, fallait, ça se sentait pas, enfin ça se sentait au début, mais c'était pas incroyable non plus, mais c'était déjà bien. Mais ensuite la Vaporfly, ça a clairement encore été une étape au-dessus, quoi. Et les Vaporfly, la première fois que je les ai portés, c'était l'année dernière, et à un événement Nike, et où on était au Secret Races, je crois, à Paris, donc à 5 km. Et là, on était équipé pour l'occasion. Et moi, j'avais une séance d'entraînement, en fait, c'était donc 2 fois 5 km. Donc le premier 5 km pour la course, c'était à 3:30, 3:25, on va dire, voilà, plutôt sur les allures tempo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le deuxième kilomètre, un peu plus rapide, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait, mais voilà, on a fait ça. Et j'étais en début de saison, pas encore très très bien, on était vraiment sur de la reprise. Et là, j'ai fait le deuxième 5 km à 3:10, 3:05, plutôt 3:05. En sachant que j'étais pas très bien et en étant encore dans une allure contrôlée. Et là j'ai compris que la chaussure était vraiment 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 exceptionnelle, quoi. Vraiment, il faut vraiment la porter, parce que j'ai des potes qui, par exemple, sont contre sans les avoir portées. Et là, ils les portent quand je leur donne, et ils me disent, mais c'est vraiment encore pire que ce que je croyais, quoi. Vraiment, t'as l'impression d'être un peu sur des ressorts. Ouais, justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des sensations que t'as quand tu cours avec? Quelles sont les différences avec une basket sans lame de carbone? En fait, le truc, c'est que tu as vraiment l'impression, ouais, comme je crois que c'était Jimmy qui avait dit ça dans l'équipe, de courir sur un nuage. En fait, c'est vraiment moelleux, c'est vraiment mou. Mais donc, au niveau de la récupération musculaire, c'est là où ça fait la différence, parce que vraiment, ça absorbe les impacts pour nous. Donc, déjà ça. Et en plus, en fait, ça permet de te projeter. Donc, ça, c'est la combinaison entre la mousse et la lame de carbone, quoi. Ça te propulse, et ça te fait avoir du pied, en fait. Ça travaille pour toi au sol. Et donc, du coup, bah, t'as pas besoin de forcer pour être déjà un peu plus grand, un peu plus haut sur l'appui. Et donc tu te sens très très vite à l'aise. Et même quand tu fatigues, en fait, tu descends pas sur l'appui, tu descends pas les fesses, tu descends pas les genoux. Ça continue de t'emmener avec une belle foulée. Donc c'est vraiment une chaussure qui te fait courir bien. Tu sens que tu cours bien avec. Et c'est vraiment difficile de pas aller vite avec, en fait. Ah ouais, impressionnant. Et du coup, ça permettrait, selon toi, et ce qu'on pense aussi, d'enchaîner plus facilement les grosses séances, c'est ça? Ouais, ça c'est un des autres facteurs, parce que bon, déjà il y a le facteur amélioration de la performance, où nous on pense, parce que avec il y a pas encore, enfin si, les études commencent à vraiment sortir là, mais nous de manière empirique, on a évalué le gain à plus ou moins 40 secondes sur 10 km en fonction des athlètes. Donc c'est déjà énorme. Mais le second avantage, ouais, c'est la récupération musculaire. On finit à un 10 km absolument pas fracassé, contrairement à des chaussures classiques. Et donc à l'entraînement, ça peut être très intéressant. Et c'est pour ça, nous, on commence à les porter à l'entraînement cette année, parce qu'on a vu que d'autres avaient pu passer des caps l'année dernière en s'entraînant beaucoup plus et en faisant beaucoup plus de volume grâce aux chaussures, en fait. Et l'avantage que ça a, c'est que tu peux continuer à travailler un peu plus physiologiquement, donc sur des séances un peu plus longues, ou alors faire un peu plus de séances, alors que physiquement, en fait, ce qui est souvent le facteur limitant, physiquement tu vas récupérer beaucoup mieux. Donc une semaine à 140 où tu mets 2 fois les chaussures, ça te permet de faire 140 physiologiquement, mais en fait peut-être que 120 au niveau physique, quoi. Donc c'est sûr que ça peut être un avantage pour essayer d'augmenter un peu la charge d'entraînement. Ouais, parce qu'en course à pied, ce qui limite vachement, bah, c'est le nombre d'impacts, quoi. On inflige quand même à notre corps pas mal d'impacts, et au bout d'un moment, bah, on peut pas aller plus loin. Et le fait de porter ses chaussures, ça réduit ce nombre d'impacts, et du coup, tu peux augmenter ta charge d'entraînement. Mais du coup, Ouais, voilà, c'est ça. tu les portes pas forcément à tous les entraînements, que à des entraînements spécifiques, j'imagine, non? Ouais, bah nous déjà on les porte quasiment pas. Mais non, je pense que ce serait contre-productif de les porter quasiment tous les jours comme certains le font. Pour l'instant, ça peut payer pour certains, mais à long terme, on n'est pas sûr au niveau de l'adaptation des tendons, des mollets, et puis même par rapport à d'autres blessures qui pourraient arriver plus tard par rapport au changement de forme de foulée ou quoi. Donc on est assez précautionneux. Nous, on a un peu peur, on va dire. Donc nous, on les utilise surtout
Moi, par exemple, dans la phase avant les Europe Indoor, là, je les ai utilisés un peu plus. J'ai dû les mettre 3-4 fois en 3 semaines parce que je commençais à fatiguer un peu physiquement. Donc, du coup, pour être sûr de bien récupérer, donc sur les tempos ou sur des footings rapides, des footings endurance. Mais moi, j'essaie de ne pas les mettre sur des séances spécifiques parce que nous, déjà, on fait très peu de grosses séances. Donc, du coup, j'ai envie d'avoir les sensations, en fait, quand je fais les séances, les sensations de vitesse, habituer son corps à pousser, habituer les tendons à porter des chaussures un peu plus plates. Donc nous, les chaussures sera plutôt sur des tempos ou des endurances, quoi. Ouais, et du coup je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce qu'on pense, que justement scientifiquement le gain au niveau de la protection musculaire, ça pourrait entraîner une désadaptation chez les athlètes qui s'entraînent tout le temps avec, et faudrait vraiment voir dans l'avenir les études qui vont être publiées là-dessus. Ouais, voilà, nous on attend pour avoir un peu de recul parce que là, bon, c'est pas du pifomètre parce que voilà, c'est quand même des chercheurs et tout, des physiologues qui ont étudié ça, des gens qui travaillent sur la biomécanique. Donc voilà, on a pris un peu les conseils qu'on nous a donnés, nous, mais on attend de voir avec un peu de recul. Et ça se trouve, on se trompe et faudrait les mettre tous les jours et c'est comme ça que ça fait le plus progresser. Donc je sais pas, on n'a pas encore le fin mot et on verra d'ici quelques années. Ouais, et du coup, niveau opinion, par exemple, enfin, moi je pense, enfin, par exemple, mon avis, c'est quand, étant donné que je viens du cyclisme, où on a une discipline avec beaucoup de matériel, je pense qu'à partir du moment où ça crée pas de l'énergie, mais ça optimise juste l'énergie qui est créée par le corps humain, c'est légal. Mais toi, du coup, t'en penses quoi? Moi, je pense déjà que ce qu'il faut pas oublier, c'est que la course à pied, c'est un sport où normalement il n'y a pas d'aide technologique. C'est vraiment toi et toi tout seul qui cours. Forcément, les chaussures sont meilleures que celles qu'il y a 20 ans, mais il n'y a pas eu non plus de rupture. En fait, il n'y a pas eu de rupture à un moment donné. C'est ça qui dérange. Et dans le même temps, ça crée des inégalités en fonction de ceux qui répondent ou pas à la chaussure. Et surtout, ça achète une qualité que certains coureurs n'ont pas, c'est-à-dire la qualité de pied, en fait. Et c'est ça qui me dérange parce que du coup, en fait, ça va changer la nature de course de certains. Et en la faisant optimiser, en fait, juste grâce à la chaussure, alors que normalement, c'est par le travail qu'on essaie de progresser. Donc c'est ça qui m'énerve un peu. C'est vraiment, ouais, la rupture de performance qu'il y a eu qui est quand même énorme. Et quand tu vois, enfin, de toute façon, ça se voit, hein, visuellement, les gens qui courent avec des chaussures carbone, bah, ça rebondit, ça amplifie, ça augmente l'amplitude de foulée, quoi. Et donc tout ça au final c'était pour les chaussures de running, mais qu'est-ce que ça donne la nouvelle génération de pointe qui est quand même plus récente? Bah, la nouvelle génération de pointe, on a encore pas assez de recul pour analyser de manière empirique ce qu'elle apporte. Et forcément, bon, il y aura des études, mais bon, les études, elles vont sortir d'ici 2-3 ans. Déjà, clairement, il y a un gain qui est largement moins important que sur la piste. Mais c'est juste dû au fait que ce qui compte dans les Vaporfly et les autres chaussures assimilées, c'est pas la plaque de carbone, c'est vraiment la mousse. Et là, bah, du coup, comme il y a une hauteur de chaussures qui est réduite par les pointes et par la réglementation, bah, forcément, il y a un avantage qui est moindre. Moi, donc, du coup, je porte la Dragonfly, donc la chaussure Nike de longue distance à partir du 3000, on va dire. Et ce qu'on peut voir, c'est que pareil, bon, déjà il y a un peu moins d'usure musculaire avec par rapport à la Vaporfly, mais bon, enfin, si tu es faible, tu finis quand même un peu fracassé, tu as forcément un peu de courbatures le lendemain, mais beaucoup moins qu'avec une chaussure normale. Et il y a un peu de rebond, un peu de bouncing là. Quand tu les testes, moi je l'ai senti, j'ai senti directement, et j'ai senti surtout sur ma première compétition à Mondeville, où là j'étais vraiment bien, donc j'ai pu être un peu à l'écoute de mes sensations, et là je sentais que ça rebondissait un peu. Et quand en fin de course, surtout, ben, là où tu peux t'affaisser avec des pointes normales, tu peux commencer à être un peu bas sur l'appui. Là aussi, en fait, ça te rehausse comme les Vaporfly, ça te permet d'être un peu plus haut sur l'appui, et là ça permet de pouvoir finir fort. Et je pense que depuis l'année dernière, on voit des gens qui finissent aussi vite sur les courses, c'est pas pour rien. En fait, tu t'économises un peu au niveau du début de course parce que voilà, il y a ce petit rebond, mais surtout si tu en as gardé et que tu peux envoyer la sauce, on va dire, dans le dernier mille,
Là, la chaussure, elle va vraiment répondre et elle va t'emmener un peu avec elle, quoi. Mais on est loin de ce qui se fait au niveau des Vaporfly et des autres chaussures sur route. Ouais, on n'est pas près de la fin des records. Non, 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 on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et puis là, en plus, il y a Adidas qui va arriver dans le jeu. Et toutes les marques vont vouloir continuer à cette escalade de la technologie. Donc, on va voir où ça s'arrête. Est-ce qu'à un moment donné, World Athletics met le haut là? Mais voilà, bon, c'est quand même dommage. Mais on va peut-être arriver à un moment donné où les gens, voilà, on va juste l'accepter. Et voilà, ce sera quelque chose qui sera normal. On aura des visions, des références qui seront différentes grâce à ces chaussures. Je sais pas, on verra dans 2-3 ans. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, récemment, tu as fait des tests physio et tests VO2 max. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le protocole que vous avez suivi et quelles mesures ils ont faites? Ouais, bah, au niveau VO2 max, c'était on partait à 14 km/h, nous, pour avoir plus ou moins 10 minutes d'effort, de temps d'effort. Et c'était toutes les minutes 1 km/h de plus, donc sur tapis. Et après, bah, fallait pousser full gaz à la fin. Donc après, là, ils mesuraient VO2 max et je sais pas ce qu'ils mesuraient en plus. Nous, d'habitude, on fait pas ce test-là, mais là, c'était pour avoir des données, enfin, déjà pour donner des données au doctorant qui nous fait ça, parce que lui, il nous fait des tests en chambre climatique. Donc lui, ça peut lui apporter un peu des nouvelles valeurs et voir un peu, avoir des nouvelles données, quoi. Et après, nous, ça nous permet aussi d'avoir une valeur par rapport à nos tests lactates qu'on fait avec le test de Yann Olbrecht, qui lui nous donne une référence en VO2 max et VLA max, mais en fait qui sont des références pas absolues. En fait, c'est corrélé à notre VLA max, donc forcément ça dit pas grand chose par rapport à une valeur absolue. Donc là, on voulait un peu voir entre les deux, avoir des données entre les deux, parce qu'on a fait les deux tests à 4 jours d'intervalle. D'accord. Ouais, le but, c'est de vous per... enfin, c'est de permettre surtout à ton entraîneur de mieux calibrer l'entraînement et d'être toujours plus précis. Ouais, voilà, c'est ça, avoir des données précises et pouvoir vraiment optimiser tout ce qu'on fait à l'entraînement, jamais être dans le un peu trop, quoi, ou dans le pas assez, par exemple. D'accord. Et du coup, pour finir un peu cet entretien, est-ce que tu pourrais nous dire tes objectifs à moyen terme et à long terme, on va dire? Oh, bah, moi, mon objectif à long terme, c'est vraiment être performant en 2024, parce que j'aurai 27 ans, et c'est à peu près l'âge où on est les meilleurs. C'est nos meilleures années en demi-fond. Donc avoir la perspective des JO à domicile, forcément, ça donne envie. Donc voilà, on construit sur ça. Nous, on a vraiment une optique sur le long terme. On essaie de pas me cramer du tout là, vraiment, de comme j'ai dit au début, de construire des fondations qui sont solides, des bases très solides. Et pour ça, voilà, faut faire de l'aérobie, mais faut pas passer trop vite les paliers. Et voilà, donc moi, mon but là à court terme, c'est de faire les Jeux dès cette année, parce que j'ai envie de prendre de l'expérience un maximum pour préparer justement l'échéance de 2024. Donc voilà, c'est ça le gros objectif. Et après, à moyen terme, ça va être voilà, de progresser sur les 3 ans entre les deux JO, et aller chercher et continuer à travailler sur l'aérobie pour augmenter sur 5000, mais aussi aller à un moment donné travailler un peu plus sur l'anaérobie aussi, pour optimiser mes qualités sur 1500, parce que on en a besoin pour les courses de championnat aussi. Donc voilà, l'objectif là, ça va être de bien s'entraîner là pendant 2 mois et commencer à faire les compètes fin mai pour essayer de faire les minima qui sont à 13-13,50 sur 5000. Donc ça va être le gros objectif de l'année. Ouais. Et c'est quoi ton record là sur 5000? Ah, j'ai fait à 13,27 et des poussières l'année dernière, dans une course qui était pas optimale, et dans une saison, bon, la saison qu'on connaît, mais surtout. Là, j'ai passé un gros cap cette année. L'année dernière, c'était ma première année, donc il fallait assimiler tout l'entraînement avec la nouvelle structure, le nouvel entraîneur, la nouvelle méthode d'entraînement. Et là, j'ai vraiment passé un cap cette année. Donc on pense que c'est largement large, pas largement faisable, dans le sens où je vais pas faire 13,05, mais c'est faisable. C'est faisable. Si je fais les minima, ce sera de pas beaucoup, mais l'essentiel, c'est de les faire. D'accord. Et pour 2024, le but, c'est toujours sur 5000 ou t'envisages peut-être de monter sur marathon comme certains ont pu le faire? Non, non, moi, le but pour 2024, c'est sur 5000. J'ai déjà, en fait, musculairement, c'est pas là où je suis le plus fort, donc pour assimiler des grosses charges d'entraînement. Et au niveau aérobie, je suis encore limité. Donc non, non, moi, c'est vraiment sur 5000. Et le truc, c'est qu'aussi en grand championnat,
entre guillemets, possible de faire quelque chose sur 5 000. Je mets bien des guillemets parce que bon, c'est quand même compliqué. Mais alors que sur 10 000, ça devient quasiment impossible. C'est vraiment la chasse gardée des Africains de l'Est. Donc, alors que sur 5 000, bah, sur une course tactique, ça peut se transformer en 3 000. Et déjà sur 3 000, on peut être un peu plus dans le match avec des grosses qualités anaérobies. Donc, non, le but, c'est de faire toute ma carrière sur 5 000. D'accord, merci, bah, c'était sympa. Ouais, c'est quand même un sacré minima, mais bon, on croise les doigts pour toi et je pense que ça le fera. De toute façon, comme on dit, le travail paye toujours. Ouais, bah c'est sûr, j'espère que ça va payer. Après voilà, on verra. C'est le plus important, ça va être de trouver une bonne course dense, parce que c'est ce qu'il faut, hein, pour le demi-fond. Les gens l'oublient souvent, mais la densité, ça fait tout. Et là, avec le Covid, c'est pas forcément évident de monter un planning de course avec les courses qui sont annulées, pas annulées, reportées, peut-être pas. Donc voilà, on va surtout d'abord s'entraîner, pas essayer de pas trop penser au calendrier, et ensuite on va laisser nos coachs trouver les bonnes courses. Et à ce moment-là, il faudra tout donner. Ouais, marche après marche, comme on dit. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné toutes ces informations hyper intéressantes. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon, merci bien. Ouais, salut. Bonne après-midi. Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous. Thank you.